rendu à 168. Le 11 décembre, en espérant que tu récupères bien, Sébastien. Je ne sais pas si tu as le temps de récupérer, mais le 11 décembre, au Centre Bell, c'est prévu. OK? Moi, je suis prêt. Sébastien est prêt. Il a fait le 12 rounds, très bon combat, beaucoup de cardio. Donc, je ne sais pas si vous allez être là, au Centre Bell. OK, qu'est-ce qui est pour le 11 décembre où t'affronter, Ronan? C'est n'importe quand tu veux. Mais pour essayer du grenier, c'est peut-être mieux de rester là, mon pote. Hey, je remercie tout le monde, ok? C'était tout le combat ce soir. Je remercie Nicolas Sulka. Quel combat! Yeah! Avec quoi tu seras pas relevé? Tu seras resté au sol. On dit NU, on savait pas c'était qui encore. Là, je vais te faire entendre style. Sébastien, tu peux t'asseoir et on va rester debout parce que pendant que tu te battais, toi t'étais debout. Pas tout le temps. juste un mot avant pour parler de la performance des deux boxeurs de chez nous qui ont donné un combat incroyable. Je vous dirais à la hauteur des attentes qu'on avait, on s'attendait que ce soit un combat difficile, partagé, serré. Les deux boxeurs ont démontré beaucoup d'habileté, énormément de détermination de part et d'autre. Et Guy Jutreuil, qui est avec moi ici, me disait tantôt que si les gens voyaient boxer Sébastien Demers plus souvent, on ne s'inquiéterait pas du manque de popularité de la boxe par rapport au MMA. Parce que Sébastien n'est jamais dans un combat plat. J'ai jamais vu un gars au Québec avoir plus de courage, plus de cran que lui. Encore une fois, il est allé au plancher, il s'est relevé, a réussi à surmonter ça, envoyer son adversaire au plancher, finalement gagner le combat. Une extrémiste, à la dernière seconde, les deux boxeurs jusqu'à la dernière seconde se sont frappés à qui mieux mieux. Donc moi, c'est un des plus beaux combats qu'on a présenté ici au casino. Puis pourtant, on en a présenté des beaux. Il n'y a pas longtemps, il y avait Antonin Descarrie contre Terence Cotton. Un des plus beaux combats qu'on a présenté. Puis on est extrêmement fiers et de Nicholson Poulard et de Sébastien Demers. Cette ceinture-là, en 2005-2006, elle appartenait à Lucien Bouté. En 2007, elle appartenait à Jean Pascal. Jusqu'à il y a un mois, elle appartenait à André Ward. Donc, il y a de grands noms, de grands boxeurs qui ont déjà porté cette ceinture. Et je suis sûr que Sébastien Demers va la porter aussi avec fierté. Merci. Justement, Sébastien, c'est quoi le feeling que tu as d'avoir la ceinture et de savoir qu'il y en a des champions du monde qui l'ont eu? C'est un grand feeling pour moi, si je peux te dire, c'est le fun. Justement, c'est un bon exemple. S'il y a des gars comme ça qui ont été capables d'avoir la ceinture, moi aussi je suis capable. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais je pourrais te le faire. Le combat de ce soir, le plus difficile que tu as livré? Un des plus difficiles, certainement. Nicholson est arrivé prêt. C'était sa chance, si on peut dire. Je savais que c'était pour être un combat assez difficile, même si les gens autour de moi me disaient « Ah, tu vas le battre facilement, il n'y a pas de calibre pour ci, pour ça. » Mais écoute, c'est difficile d'être dans un combat comme ça avec un gars qui t'envoie des gros coups, des gros power punch tout le temps, d'essayer de rester focus. J'ai failli embarquer dans son jeu en début de round. Ça m'a coûté une chute au tapis, j'ai dû revenir sur mon plan de match, puis Michel, j'étais bien content quand lui aussi est allé, ça m'a redonné beaucoup de confiance. Mais aussi, comme je l'avais prédit, le combat s'est joué beaucoup au-delà du 8e round. Mm-hmm. 8, 9, 10, 11, 12, il n'y avait plus ce qu'il fallait, il n'y avait plus de jus. Ses punchs ne m'affectaient plus autant qu'au début. Au début, il était capable de me reculer, de me faire mal. À la fin, je pouvais marcher dans ses coups, même s'il y avait encore un petit peu de power, il n'y avait plus ce qu'il fallait pour me faire assez mal. Au premier round, quand tu t'es fait sonner, disons, même le round suivant, c'était assez fort parce que tu avais encore les jambes molles. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Tu as encore 10 rounds, 12 rounds devant toi, puis tu as déjà les jambes molles en début de combat. Ben, il y a une chose qui est importante dans ces combats-là, c'est pas de regarder les combats sur 12 rounds. Tu le regardes round après round. On ne sait jamais à quelle seconde ça peut se terminer. Écoute, quand je l'ai envoyé au tapis, c'est vraiment pas un coup que j'avais prémédité d'envoyer. Tu comprends? Je l'ai frappé, boum, il est allé au tapis, puis j'ai essayé de retourner le plus possible. Après ça, je cherchais un petit peu plus, la shot n'est jamais venue. C'est quand tu ne le cherches pas que ça vient d'habitude. Sébastien, est-ce que tu penses que ce que tu dois travailler, c'est peut-être un peu plus la défensive si tu veux durer longtemps dans la boxe? Non, écoute, ma défensive, elle pourrait pas se payer.
C'est un combat spectaculaire, oui, je l'avoue. Là. Ça en prend des comme ça, sinon, si je retrouve mon défensif, il ne viendrait pas me voir. Écoute, moi, je te show off, là, je te show man. Là. Je veux qu'il y ait du monde qui vienne me voir. Je sais que ça fait capoter mes coachs, là, je suis mort, mais écoutez. D'être patient au début avec les mains hautes, puis de ne pas embarquer dans ces gros shots-là, puis être capable de. Est-ce que tu étais vidé ou tu avais pu continuer? Non, j'avais encore du jus. Je sais pas si c'était parce que j'ai trop de cœur ou quelque chose, mais je me sentais encore capable. S'il y aurait eu 15 ans, je les aurais fait de 15. Tu es probablement autant acharné. Mais maintenant, il faut que tu sois capable d'aller chercher tes ressources un petit peu plus loin. Je pense que j'aurais pu faire plus encore. Puis on voudrait remercier Limerado Andrade puis Enrique Arnelas. C'est grâce à eux autres que si on a réveillé ça de prête en forme, parce qu'on était fait du sparring chez les Grands. Puis ça nous a permis, parce qu'à Saint-Hyacinthe, il n'y a pas grand monde, il y a moins qui peut noter avec. Ça ne dure pas longtemps, hein? Sébastien, tu disais que tu étais confiant que ton expérience ferait la différence. Dans ce combat-là, as-tu senti que dans la deuxième moitié du combat, c'est ton expérience qui était dominante? Oui, un petit peu. C'est ça que je disais tantôt. À partir du 8e, j'ai senti qu'il a faibli. Après la chute au tapis, là, ça lui a donné un gros coup. Après sa chute au tapis. Moi, écoute, je suis allé en début de combat, me suis relevé, je savais que le combat n'était pas fini. Justement, je pense que c'est l'expérience qui rentrait en jeu. J'ai pas essayé de regarder trop le pointage. J'ai fait ronde après ronde. Même après le 3e, 4e, là, ça allait pas encore bien. Là. J'ai continué à rester, essayer de focusser sur mes petites affaires à faire. J'ai été obligé de m'ajuster parce que, comme je disais tantôt, il était capable de m'apporter dans un jeu que là, fallait lancer des coups wild et j'essayais d'être fort avec lui, mais c'est lui qui avait l'avantage comme ça. Quand j'étais capable de me placer à l'intérieur et rester plus court, plus sharp avec le jab, c'est là que j'ai pris l'avantage. Lui, ses jambes sont juste parties au fur et à mesure du combat. T'en es-tu, est-ce que la force de frappe soit aussi importante de plomb? Ah, je savais qu'il y avait une bonne force de frappe. Faut pas se fier au. Faut pas se fier à l'affiche. Moi, ma fiche ne dit pas que je suis un gros cogneur, mais écoute, il est quand même allé au tapis, mais même s'il est plus gros que moi, puis supposément plus fort physiquement, je sais que je suis fort, je suis capable de faire mon bout là-dedans. J'ai encore du travail à faire, puis je vais le faire. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Félicitations encore.